Salut à toutes et à tous, c'est Lorimax. Aujourd'hui, pour vous présenter mon serveur hardcore que j'ai eu à d'ouvrir. Donc, il y a déjà quelques potes à moi de Skype ou que j'ai invité depuis des forums qui sont venus. Donc, c'est un serveur très 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 dur à jouer car les mobs peuvent casser les blocs pour vous atteindre. Donc, ça c'est déjà très chiant. Ils ont plus de vie, donc 3 fois plus de vie, plus de dégâts, c'est-à-dire ils font. Il semi one shot les no stuff. Vous avez une barre de soif qu'on voit ici normalement, sauf que là vous la voyez pas vu que je suis OP, et donc vous perdez de la soif. Quand vous tuez des mobs, ça vous loot des émeraudes. Il y a des émeraudes qui vous servent dans le shop PNJ qui se trouve ici à cet effet. Donc là par exemple, déjà vous pouvez vendre des items contre des émeraudes. Et vous pouvez acheter des items. Et l'objectif principal des joueurs ici, c'est d'avoir cette armure. Qui coûte assez cher, mais qui est assez cheatée. Voilà. Donc, pour jouer à la map principale du serveur, donc la map hardcore, il vous suffit d'aller ici. Voilà. Donc là, vous avez des plaques pour retourner au spawn si vous avez oublié un truc. Des PNJ qui ont des petites armures. Vous démarrez en faisant le kit survivant que vous avez tous les jours, qui vous donne une armure en cuir P2, un breaking 1, une épée pour commencer, un petit peu d'armurature, une pioche, une fiole d'eau pour boire, vu que sinon, si vous ne buvez pas, vous mourrez, et un lit. Car le lit sert à céder votre spawn. Donc, comme c'est écrit ici, vous posez le lit. Voilà. Ouais, en bas à gauche, là, c'est écrit spawn de lit défini. Donc, quand vous faites slash home, ça vous TP à votre lit. Donc voilà, ça c'est la map hardcore, avec le spawn ici. Donc j'ai fait un spawn assez simple, hein, quand je spawn une bête en décoration. Là, voilà. La nuit tombe. On va TP à des joueurs pour voir comment ça se passe. Donc on va TP à lui. Voilà, ils ont fait des maisons pour se protéger. Lui il a préféré faire la masse du muraille. Lui il a préféré s'installer en hauteur. Donc j'ai augmenté un petit peu le processus, hein, désolé. Là ils se protègent, donc là les zombies vont pas tarder à arriver. Ah ouais, ça spawn déjà. Là ils commencent à les tuer. Donc ils pètent les blocs pour vous atteindre. Là c'est vraiment un truc qui change énormément le gameplay. Parce que dans ce serveur, la nuit est extrêmement redoutée. Là c'est bon, ça spawn tranquillement. Encore, il n'y a pas beaucoup de monstres pour une fois. Logiquement, ils sont 10 en train de péter la muraille, donc voilà. Ensuite, au spawn, vous avez des mini-jeux. Vous avez un dé à coudre. Si vous ne connaissez pas, les règles sont écrites ici. Faites pause pour lire. Là, vous avez un spliff qui va bientôt ouvrir. Voilà, les règles pause si vous voulez voir. Donc, le marché du PNJ et le bâtiment du spawn. Donc là-bas vous avez un port, c'est juste pour la décoration, peut-être un jour on rajoutera des trucs. Donc le serveur il accepte les versions crack, bien entendu. Donc vous avez un plugin pour ce login. Et au final vous avez des petits messages d'astuces à mettre, qui passent ici. Donc voilà, ceux qui aiment bien les défis, qui sont en marre du Minecraft normal, où c'est trop facile de survivre, bah, venez sur ce serveur. Sérieux, les gens qui jouent dessus, ils adorent. Le concept, et c'est vraiment un défi à tout le monde de pouvoir survivre. Ils sont déjà en train de se faire des pop. TP à lui, on va voir. Genre, il fait déjà jour. Genre, voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, ils sont des pop. Regardez, pouf. Genre, il y en a qui ont crevé, pas longtemps. Et voilà. Donc voilà. Rejoignez-nous si ça vous dit. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et pour ceux à qui ça intéresse, je vais faire une petite série sur le serveur où je survis. Donc voilà. Moi je vous dis à plus. Allez bye.